Maintenant, la question la plus importante. Comment arriver à un tel type de société quand les institutions financières ou politiques bloquent le jeu? Quand notre monde est sclérosé par une multitude d'accords financiers ou politiques divers? Comment engager une transition? Si l'on se dit que le mode compétitif est agréable dans le sport et dans les jeux, il faut comprendre qu'il n'a pas sa place dans la gestion de notre monde, parce que le modèle compétitif soustrait tout un ensemble pour ne garder que les meilleurs, quand un modèle contributif garde tout le monde, tous les cerveaux, toutes les créativités possibles, y compris celles des meilleurs. Il nous faut donc trouver un outil qui facilite la contribution. C'est ma première proposition, et elle n'est pas d'ordre politique, mais d'ordre pratique, technique, et elle dépasse les frontières de la France. Puisque nous avons des outils informatiques nouveaux et performants, nous pouvons créer un système de contribution universel. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des problématiques essentielles qui ne sont tout simplement même pas étudiées par les entreprises et par les États qui leur sont intimement liés, parce qu'elles ne répondent pas à des critères de rentabilité financière. Il ne nous faut pas attendre que ces institutions fassent les choses à notre place. Il faut que nous reprenions la main. Depuis très peu de temps, un outil nouveau est apparu au sein d'Internet, les réseaux sociaux. Jusqu'alors, on disposait d'une boîte mail qui nous mettait en contact les uns avec les autres. Il y avait des outils de discussion en ligne comme Messenger. Mais il n'y avait pas encore d'outils centralisateurs qui puissent permettre de faciliter la communication et le partage de documents et de médias divers, comme sur Facebook par exemple. Il y a sur Internet une multitude d'outils qui permettent différents types de contributions. Ceci dit, il n'y a pas encore d'outils centralisateurs qui permettent une contribution efficace, pluridisciplinaire. Le système de réseau social me paraît idéal pour que nous puissions répondre à nos attentes. Comment va fonctionner Contributo? Chacun pourra créer un profil, son espace personnel, où il pourra taguer l'ensemble de ses champs de compétences, scientifiques, linguistiques, artistiques, créatives. On a toutes et tous de multiples cordes à nos arcs, profitons-en. Dans un espace dédié, chaque question, chaque problématique pourra être publiée par chacun, en taguant ce que l'on pensera être les champs de compétences requis pour répondre à notre question. Il nous faudra réfléchir sur l'étendue réelle de nos besoins, des besoins primaires comme l'énergie, l'habitat, l'alimentation, les besoins facilitant notre vie comme les outils, les moyens de transport, les besoins concernant notre bien-être comme les loisirs, l'accès à la culture, le divertissement. Chaque question aura vocation à ne pas tomber dans l'oubli. Elle sera dispatchée pour atteindre les spécialistes des champs qui auront été tagués. Si la question, la proposition n'est pas dans le champ des possibles, pour des raisons aussi diverses que l'impossibilité scientifique ou des rétroactions négatives, alors ce sera l'occasion pour nous de trouver une solution alternative pour répondre à la fonction du besoin qui aura été exprimé. Nous sommes tous des généralistes, et même lorsque l'on est spécialiste dans un domaine, on est généraliste dans les autres. C'est important d'y penser parce que souvent, le spécialiste est tellement dans le gros plan de ce qu'il connaît que certaines choses peuvent lui échapper dans des points de vue plus élargis, plus éloignés. Pour l'exemple, les spécialistes de la NASA ont su faire preuve de grande intelligence et d'humilité lorsqu'ils se sont trouvés en difficulté sur l'atterrissage d'un robot sur Mars. Malgré leur savoir très pointu, ils n'arrivaient pas à trouver de solution sur un ensemble de problèmes. Chaque couche d'atmosphère martienne avait des contraintes très spécifiques qui mettaient en péril l'ensemble de la chute du robot. Pour avancer, ils ont fait appel à quelqu'un qui a priori n'était pas un scientifique. Ils ont fait appel à James Cameron, le réalisateur entre autres de Terminator, de Titanic et d'Avatar. Ils ont bénéficié de sa créativité, et il a trouvé des solutions grâce à son imagination, ses propositions d'idées. Et si on faisait ça, ou ça? Et les spécialistes, grâce à leur savoir technique, disaient « Oui, ça, on sait le faire, ça aussi on peut le faire ». Cet exemple est vraiment un exemple à suivre sur l'ensemble de nos besoins, de nos doléances. Il nous faut combiner notre créativité et notre savoir-faire très pointu. Car le savoir-faire de l'humanité, à l'heure actuelle, est immense. Ensemble, nous détenons la totalité des champs de compétences requis pour avancer. Et ce ne sont pas nos entreprises qui nous ont amené le progrès. Elles n'ont fait que surfer dessus, ouvrant ou fermant le robinet des finances au gré de l'éventuelle rentabilité d'un projet. Mais les cerveaux et les savoir-faire ne sont pas leur création. C'est aussi pour cette raison que nous avons souvent une grande méfiance vis-à-vis de certaines innovations et savoir-faire. La robotisation, les nanosciences, la compréhension de systèmes aussi complexes que la génétique ou la climatologie nous font souvent peur quand ils sont détenus par des institutions qui ne s'intéressent pas aux conséquences de leurs actes, comme les multinationales, ou quand elles ont pour but précis de nuire, quand elles sont créées et financées par l'armée, par exemple. Dans un monde où on nous apprend dès tout petit qu'on ne règle pas ses problèmes en tapant sur la gueule d'autrui. On peut craindre ces techniques quand elles sont pensées à mauvais escient. Il nous faut nous les réapproprier et les utiliser enfin à bon escient. Avec Contributo, il sera possible de faire communiquer les disciplines les unes avec les autres et d'aller dans le sens de démarches
pluridisciplinaire comme le biomimétisme, par exemple, mieux connu sous le nom de bionique, qui consiste à reproduire les mécanismes de la nature pour les appliquer dans différents domaines technologiques. Certaines idées ou propositions pourront couvrir un ensemble très vaste de disciplines a priori très différentes. Par exemple, on a tellement usé et abusé nos terres fertiles qui sont saturées par des agricultures intensives ayant des rétroactions très négatives, que l'idée de faire une sorte de building dans chaque ville, une sorte de potager à plusieurs niveaux pourrait être une proposition à ne pas jeter à la poubelle. Et elle nécessiterait la réflexion de disciplines aussi diverses que le savoir-faire paysan, l'agronomie, l'entomologie, la botanique, la climatologie, mais aussi la robotique, la programmation informatique, le design, l'architecture, les spécialités diverses relevant de l'énergie, de la plomberie, de la distribution, etc., etc. Chacun d'entre nous, de par sa spécialité, pourra contribuer à trouver des solutions techniques à nos problèmes élémentaires. Mais les choses ne se limiteront pas aux aspects scientifiques. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes joueurs. Nous avons besoin de loisirs, d'art, de divertissement. De ce côté-là aussi, les idées vont fuser, et le panel des compétences diverses est énorme. Si nous laissons notre créativité grandir, nous allons probablement en profiter de manière étonnante. Nous allons trouver des solutions alternatives également vis-à-vis de besoins qui sont aujourd'hui les fers de lance de la consommation, tels que la mode, l'habillement par exemple. On voit avec tous ces programmes télé dédiés au relooking qu'il y a un grand savoir-faire et une grande demande. Imaginons un instant les possibilités de mise en contact directe entre les besoins de tout le monde et les spécialités diverses de stylisme, de design, avec un cahier des charges tourné vers l'excellence et l'économie matérielle, la possibilité peut-être pour chacun de bénéficier non pas d'une accumulation dénuée de sens, mais plutôt tourner vers le sur-mesure. Là aussi, nous aurons des surprises quant aux bénéfices que nous allons tous obtenir. Ce sera un outil formidable pour faire émerger notre créativité. Il y a partout des sortes de MacGyver, des Bear Grylls, des gens qui ont une grande capacité de créativité, de débrouille, de création d'outils, d'adaptation aux contraintes. L'humanité dispose d'énormément d'inventeurs, il faut que leurs talents ne soient pas enfermés, mais qu'ils profitent à tous. On a tendance aujourd'hui à se dire que l'on a un énorme problème, qu'il y a 7 milliards de bouches à nourrir. Et si on comprenait que nous avons un atout formidable? Nous avons 7 milliards de cerveaux qui ont chacun une expérience de la vie, des idées, de la créativité, des savoir-faire. Avec les outils informatiques d'aujourd'hui, sur le mode du réseau social, nous avons l'occasion de générer le plus grand brainstorming qui n'ait jamais existé. Nous allons pouvoir bénéficier de l'analyse de chacun, poser le doigt sur nos problèmes et nos besoins, faire émerger le plus créatif de chaque culture, chaque mode de vie, chaque solution alternative. Si nous comprenons que l'humanité n'a pas à se battre dans un modèle compétitif absurde, mais qu'elle peut raisonner en termes d'équipe, bénéficiant du meilleur de chacun, alors nous allons vite voir qu'à tous nous pouvons comprendre nos problèmes et nos besoins, et qu'à tous nous avons les solutions, toutes les solutions. Si chaque outil s'est affiné en passant de main en main, dans un processus très long de l'histoire de l'humanité, nous avons aujourd'hui les moyens d'accélérer ce processus, en faisant transiter chaque idée dans un ensemble vaste de champs de compétences. Cet outil nous semblera tellement évident une fois mis en place qu'on se demandera comment nous avions pu fonctionner sans lui auparavant. Il va vraiment nous permettre de faire le point sur des notions scientifiques essentielles, de faire le tri entre le vrai et le faux. Par exemple, Nikola Tesla, grand ingénieur, disait en 1891 « Dans quelques générations, nos machines seront propulsées par cette énergie disponible à tout endroit de l'univers. Dans l'espace, il y a une forme d'énergie. Est-elle statique ou cinétique? Si elle est statique, toutes nos recherches auront été vaines. Si elle est cinétique, et nous savons qu'elle l'est, ce n'est qu'une question de temps et l'humanité aura mis en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. » Est-ce que Tesla a fabulé? Était-ce un mythe? Si c'est le cas, il nous faut le prendre en compte et stopper les spéculations. Mais si sa réflexion est tournée vers la réalité, alors il nous faudra foncer dans ce sens. Et puis les institutions qui freinent le progrès ne pourront que prendre acte du fait que des solutions plus stratégiques, efficaces et pérennes ont été trouvées. Ce monde qui bloque sera obligé de suivre. Alors moi, je ne suis pas informaticien et je suis limité quant à la création de Contributo. Il faut que sa conception soit basée d'emblée sur le contributif. Avec un ami, nous avons posé les bases du site, un projet pilote. Il va falloir débuter avec une forge. Les bases sont opérationnelles. Pour continuer, je fais appel à tous les génies de l'informatique. Les geeks, les hackers, les programmateurs, les webmasters, les architectes web, les infographistes, mais également les polyglottes qui pourront permettre la communication dans les langues diverses. Je fais appel à tous ces gens pour nous préparer l'outil le plus fluide, le plus pratique, le plus intuitif dans la trame que je viens d'expliquer. Avec un outil comme celui-ci, nous allons pouvoir créer et réfléchir sur la construction d'un monde neuf. C'est un outil qui va nous permettre de nous libérer du fait qu'aujourd'hui, notre quotidien nous tient en otage. Que des plus puissants aux plus pauvres,
Nous nous tournons tous et qu'au final nous fonctionnons mal et nous ne sommes pas heureux. En tout cas, bien trop loin de ce que nous mériterions tous d'avoir comme part de bonheur, de liberté et d'égalité devant le fait d'être enfin reconnus pour qui nous sommes vraiment chacun d'entre nous. Donnons-nous l'occasion de ne pas avoir été les sabordeurs de l'humanité.